Cette semaine, à Nico vous mijote en tournée, lait, pommes de terre, légumes, beurre, crème de céleri, viande hachée et Fabien Cloutier. Hey, super content d'avoir Fabien Cloutier à mon show. Hey, c'est vraiment la saveur du mois dans le showbiz en ce moment. Il est partout. Fait que je suis vraiment content de l'avoir. T'as coup qu'on le voit plus l'année prochaine. Moi pis Nico, on a la même agente. Elle m'a demandé de venir lui donner un coup de main. Alors, je suis là et all right. Alors, cette semaine, à Nico vous mijote en tournée, on reçoit ni l'un ni l'autre que Fabien Cloutier. Hey! Hop, moustache. All right. Oh, oh. Hey, je suis vraiment content que tu sois là, Fabien. Alors, cette semaine, Fabien, j'ai préparé quelque chose qui te ressemble vraiment, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose d'un peu spécial avec quelque chose de bien ordinaire. Eh bien! Je vais faire un pâté chinois! Ouh, ordinaire, en effet. Oh, les chinois! Pas raciste de faire ça? Non. Peler des patates, c'est toujours un bon moment pour avoir des discussions en boys. C'est vrai, ça. Tu sais que j'ai auditionné, moi aussi, pour les beaux malaises. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Mais je l'ai pas eu. Moi, de toute façon, là, jouer trisomique à longueur de semaine, je sais pas comment tu fais, là, mais moyen, disons. C'est pas un trisomique, c'est un personnage de traumatisé crânien. Ah. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas eu. Non, c'est parce que je suis arrivé en audition et je fais... J'étais vraiment pas dessus, là. Alors maintenant, Fabien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos pommes de terre et on va les hacher pour faire une purée. Super. Voilà. Maintenant qu'on va rajouter le lait ouais. Et le beurre, voilà ici, touc. Moi, j'aime bien y aller avec les mains. Oh, fait... ouais. Voilà, et regarde ça. Mmh. Ouais. Maintenant, c'est le moment de mettre la crème de céleri à notre mélange. Si vous en avez jamais vu, ben c'est ça ici. Oui, c'est ça. C'est comme ton... Eux autres, ils te commanditent, c'est ça? Non, mais j'aimerais ça, par exemple. OK. Mon beau Fabien, tu vas mettre ça dans la poêle, ici, comme ça. Maintenant, on peut poivrer. Oh. Poivrer et saler aussi, comme ça, touc-touc. Alors, on poivre, on sale, on... Ah. Oh, ça y est, tabarnak! Ah! Ah! Attends, donne montre. Ça fait mal en tabarnak. Alors, on prend le steak haché. Ensuite, on y va avec les légumes. Et on enchaîne avec les pommes de terre. Voilà. Oh, ça a l'air bon, c'est bien crémeux, bien onctueux. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre au goût un peu de poivre de Cayenne. Comme ça, ça donne une petite couleur. Paprika. Et on enfourne à 15 minutes pendant 350 degrés. Non, c'est, tu devrais dire... Fabien, c'est quoi ton truc? Tu sais, t'es partout en ce moment, ça marche, tu pognes, là, c'est... Ouais, t'as dû faire quelque chose, je veux dire, genre... Quoi? Non, non, mais je veux dire, tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, tu sacs, tu parles mal, tu pues, tu pètes, tu sens la cigarette, tu ressembles d'une guenille, puis tu gagnes des Gémeaux. Qu'est-ce que tu veux dire, Pinson? Ben moi, je fais attention à ce que je dis jamais de mal de personne, je m'entraîne, je fais semblant que j'ai aimé Mommy, tu sais, je joue la game. Mmh. Puis? Ben, j'ai pas de Gémeaux. Bon appétit, mon beau Fabien Fabulous Cloutier. All right, on va manger ça. Hey, c'est pas mauvais, ce petit JP Chanel-là. Oui, mais c'est moi qu'il fallait qu'il dise. JP Chenet, un vin. All right! Puis, comment t'as trouvé ça, là? Ben, écoute... Ma cuisine, l'expérience. Ta cuisine, là, je voudrais dire, c'est comme quand on rentre quelque part où est-ce que ça cuisine gras. Le bacon, les beignes, les frites, la viande hachée. Cette whiff-là qui pogne dans le tapis, qui pogne dans les divans, ça dégage quelque chose de rassurant puis de beau. Puis c'est à ton image, c'est un peu gras, un peu rond, un peu beau, ça pue, mais toute
ton cœur est là et j'aime ça. Mmh. C'est correct, là? La semaine prochaine, à Nico vous mijote, Marcel Leboeuf.